Merci beaucoup, Kéosiris, pour les 26 subgifts. Incroyable. Deuxième trimestre. Merci beaucoup. Et les 24 subgifts en plus, ça en fait 50 en tout. Merci beaucoup. À tous les élèves et professeurs, aujourd'hui est un grand jour. Après mûre réflexion, Ilbards a accepté un poste d'enseignant ici sur le campus. De par son retour, il ravivra une vieille tradition de l'académie, la salle des ribauds. C'est une compétition féroce qui voit s'affronter des élèves. C'est 100% légal. Bien sûr. En tant que responsable du tournoi, le professeur Barnes recrutera des victimes tout au long du semestre. J'ai hâte de voir qui en a dans le ventre pour se qualifier. Et je vous en prie, appelez-moi Il. Ah, et bien entendu, il et moi-même remettrons une récompense aux gagnants, ainsi que le titre de virtuose de première année. Et les perdants seront catapultés. De plus, vous pourrez y gagner un badge. Mais il va falloir se retrousser les manches. C'est comme si ce badge était déjà à moi. Voilà. Hop là. Très bien. Alors, la salle des ribauds. Oula, il y a plusieurs. Ouais. La cafette. Oh, tu veux aller à la cafette? J'avais cliqué sur la cour, moi. Voyons. Attends. Qu'est-ce qu'elle raconte? Eh, ça va? Tu as l'air fatigué. Tu t'inquiètes pas pour la salle des ribauds? Ouais, ça me paraît logique. Moi? Oh non, je suis pas inquiète. J'ai déjà 8 badges. Ma mère avait battu le record à l'époque. Ça va être un jeu d'enfant pour moi. On a l'évasion dans le sang dans ma famille. Si j'étais toi, je me tiendrais prête à regarder ça du banc de touche. La cafétéria, la salle informatique, la bibliothèque ou la serre? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a de nouveau le bureau de la doyenne. Exact. Je regarde la serre vite fait. Ah. Et c'est au milieu. Oui, c'est 25 minutes, 2 clés, voilà. Easy. Et attends, l'autre c'est quoi, ici? 3 clés, 25 minutes. On va faire du plus facile au plus dur, je pense. Et ici, c'était quoi, du coup? J'ai pas vu. Ah! La cafétéria. 2 clés, limite de temps. Bon, si on peut faire celui-là, hein, la cafétéria avec... Vas-y, go. Avec Hagrid. Oh, j'ai bouffé le burger, boum, hop là. Les deux burgers, même. Hop là, j'en bouffe encore, hop là, je n'arrête pas de bouffer. Ah ah ah, hop là. j'ai bouffé ça. Mais normal, je les ai bouffés, mec. Hop là. Vas-y, inspecter. Hey, c'est plutôt pas mal qu'il soit de retour, hein. J'ai eu un poster de lui sur mon mur jusqu'à mes 27 ans. C'est cool qu'il soit ici. Au fait, j'ai quelque chose pour vous. Je me suis senti plutôt inspiré depuis l'autre jour à la batteuse. Alors j'ai créé un petit casse-tête avec une récompense sympa à la clé. Un milkshake. On va voir si vous parvenez à le résoudre avant que le milkshake ne se transforme en le truc liquide. Ok. Savourer un milkshake. C'est ça la mission? Il doit être en dessous, je pense que... Ok. Alors attends, il est où le truc? Il est là-bas. Donc je suppose qu'il faut trouver à chaque fois des clés. Il y a 3 clés à trouver, j'ai l'impression. Essence interdite sur les micro-ondes, réserve au cordon bleu, chou de Bruxelles, bec de poulet, œuf, oiseau... Ok, œuf reptile aussi, en viande non identifiée. Super, ça donne envie de manger ça. Viande non identifiée, ça donne envie ça. Glace 0, n'importe quoi d'autre, 9,99. Connaissance service sur les micro-ondes. En même temps, tu vas pas foutre ta glace au micro-ondes. Ah, on peut. Attends, je viens de manger un burger. Voilà. Moi aussi, je mange tout. Ah, j'ai trouvé une fourchette. Oh le bâtard. Bien joué. Bien joué ça. Alors là, il y a un truc qui cuit là. Donner objet. Ouais, inspecter. Utiliser objet, j'ai rien. Salissant, non, c'est pas ça. J'ai rien. Je peux utiliser de l'eau ici pour laver quelque chose. Y'a quelque chose de sale quelque part? Là, il y a une cravate avec une... Oh, attendez, t'as vu la forme des donuts? Ouais, ça fait carré, rond... Attends, mais ça fait où, ça nous? Ça fait OU. OU. Tout. C'est peut-être un T, tout. Je suis pas sûr. Hein, je sais pas. Ok. C'est tout propre, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Mega Mixer 5000, là, il y a le micro-ondes. Ok, dans le micro-ondes, il y a quoi? C'est quoi ça? C'est de la viande, non? J'arrive pas à bien voir. Oui, c'est de la viande, c'est un steak. C'est un steak, j'ai l'impression, je sais pas. Mais et attends, oui. Viande non identifiée. Attends, c'est un steak. Mets 3,35, mets 3,35. Ok, ok. Alors, 3,35. Voilà. C'est ça. Oula, okay. Oula. On a fait, normalement, ça se fait pas, effectivement. Oui, effectivement, faut pas trop faire ça, effectivement. Vas-y, prends. Ça va pas le faire, attends. Il dit ça va pas le faire. Comment ça va pas le faire? C'est chaud, c'est chaud. Quand je clique dessus, il me dit que ça va pas le faire. Ok.
Attends, j'ai un extincteur. J'ai un extincteur. Je vais utiliser l'extincteur. Ah, vas-y. Hop là. J'ai une fourchette bizarre. Fourchette bizarre. Alors, sachant que les fourchettes, à chaque fois, il manque un petit truc. Une dent ? Ouais, il manque une dent ou plusieurs. Ok. Ah, j'ai aussi chopé une autre fourchette où il manque des dents. Vas-y, filez-moi comme ça, je vais tous les prendre, les fourchettes. Ok. Voilà. Est-ce que ça ferait pas des numéros ou quelque chose comme ça ? Ah, bah oui, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai compris. Ouais, dis-moi. Ouais. Non, mais c'est bon. Là, ça va là. En fait, ça sert à déverrouiller ça. Oh. Voilà. Et ça. Du coup, la dernière. Voilà. Mais c'est tout ? Mais pas qu'on a fini, là. Sérieux ? Sérieux ? Ah, attends. Non, c'est pas fini. Ça va ? Vous n'avez pas l'air bien. Ah, c'est peut-être à cause du milkshake empoisonné. Vous l'avez empoisonné ? Mais non, vous l'avez empoisonné ? Mais pourquoi ? Je l'avais préparé avec amour ! Le déjeuner n'est pas une excuse pour se laisser aller. Vous croyez qu'on peut faire une pause durant une évasion ? Vous feriez mieux de vite trouver l'antidote. Ce truc n'est vraiment pas bon pour la rate. Ok, mais ça a empoisonné ce bâtard. Presque sûr que c'est illégal. Le mec est quand même le pro de l'évasion. Il est engagé pour ça, mais il a fallu que des étudiants viennent l'aider à s'échapper, en fait. Et pour les remercier, il les empoisonne. Exactement. Le mec est une merde, globalement. Alors, attends. Là, il faut trouver une clé pour sortir d'ici. Ouais, et là, il y a aussi un code, là. Là, il y a un code, ici. Avec des symboles, genre... Ah oui, ça doit être ça. Les symboles de donuts, là. Attends. Ah, vas-y. Ah, ça doit être carré. Et j'avais dit O-U... Comme ça, ouais. C'est OU et la même chose qu'au début. C'est bon, j'ai ouvert. Oh. Putain, c'est une boîte, ça. Fuyez les mauvais régimes. Très bien. Il n'y a pas de milkshake. Oui, mais on s'en bat les coups de milkshake. Maintenant, on va pas ramasser. J'ai ramassé un couteau de cuisine. Est-ce que tu peux crocheter la porte? On sait jamais. Attends, je regarde ce qu'il y a d'autre avant d'essayer de faire ça. Si je trouve un autre objet. Ouais, j'ai pas l'impression de trouver autre chose. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ah, il y a une clé là. Attends, il y a une clé ici. Un glaçon avec clé. Ok, la glace, on va le mettre dans le micro-ondes, je pense. Ah non, je peux pas mettre ça, non. Je peux pas mettre dans le micro-ondes. Non, mais peut-être si tu le mets dans l'eau, ça fond la glace. T'as raison, t'es pas bête. Non, regarde, là, c'est de là, t'as de l'eau qui boue, là. Six objets. Voilà. La clé. Voilà. Et là, je suis sûr qu'il faut d'abord la nettoyer. Non, même pas. Mmh. Bah écoute, on va essayer. Vous en avez trouvé pour que ça marche. Vas-y. Oui. Okay. C'est quoi ça? Dépêchons-nous de sortir d'ici et d'appeler la police. Alors ici, il y a des choses là. Réservé au personnel. Là, il y a une... Une serrure avec des symboles genre... rond vert, triangle rouge, étoile bleue, etc. T'es où? Je vois où t'es. Ah oui, là-bas. C'est de l'autre côté de la salle. Il y a un gâteau. Il y a un gâteau qu'on peut couper. J'ai un couteau. Vas-y. Et regarde, il y a rouge, jaune, violet, bleu. Rouge, jaune, violet, enfin rose, bleu. Essayons, on sait jamais. Rouge, jaune. Rouge, jaune, rose, bleu. Oui, exceptionnel. Il y a quoi dedans ? Une encyclopédie de poissons. Ok. Qu'est-ce que ça dit ? La fève de calabar provoque une teinte jaune de la vision, des gargouillements d'estomac et la mort. La belladone provoque une teinte violette de la vision, un pool audible et la mort. Donc nous, on a pris de la belladone. Cependant, quand elles sont mélangées dans les bonnes proportions, elles peuvent servir d'antidote. D'accord, donc il faut trouver de la fève de calabar et de la belladone. Ok. Ok. Ah, donc, attends, il y a un truc là. Là, j'ai bougé un tableau. Les plats du jour, là. Ouais. Il faut que j'appuie sur des trucs et je comprends pas ce que c'est. Fromage, pomme, steak, mie. Ouais, du pain. Alors, quoi. Regarde, t'as vu ça au début? Là, ici. Quoi? Là, t'as un truc à cliquer là-dessus. Ouais. C'est quand j'ai retiré ça en fait. Quand j'ai retiré le tableau, il y avait ça derrière. D'accord. C'est dans la réserve. Tu sais, c'est l'ordre des. Ah, vas-y, je vais dans la réserve. Vas-y, bah dis-moi, tu veux me dire? Ah oui, ok. Ok, l'ordre... Tout en bas, il y a quoi? Tout en bas de la pyramide, c'est du pain. C'est du pain, ok. Attends, comment je le mets? Ouais, c'est ça le truc.
Comment je mets ça? Je peux... Quand je clique dessus, ça ne fait rien en fait. Attends. Peut-être faire. Si je fais pain. Vas-y, ensuite il y a quoi? Après le pain, il y a. À gauche, c'est les légumes. Ouais, donc la pomme. La pomme, non, la pomme. Non, la pomme sera à droite. La pomme, c'est un fruit. C'est à droite. Et à gauche, est-ce qu'il y a de la viande ou du fromage? Non, le fromage et la viande, c'est en haut. C'est en haut. Les deux? Ouais, pomme et fromage, c'est là-haut. Ouais, bah donc c'est pas ça. Hmm. Attends, j'ai du mal à voir. Est-ce que c'est dans. La burger au lavage, citron vert, poisson. Ah, faudra pas. Là-haut. Comment on fait comprendre? Là du jour, non, c'est pas ça. Ça fait quoi? Non, c'est ici! Attends, ah non, c'est pas ça. It'll be your undoing. C'est pas là. On peut pas prendre les trucs là. Ouais, vous êtes beaucoup à avoir dans le chat, mais moi j'ai pas pour l'instant, j'avoue. Non, je pense pas. L'ordre dans lequel faut manger des trucs, non? Je sais pas, non, je pense pas. Non, c'est pas ça. Vu, c'est un triangle, ça a forcément un rapport avec ce machin. Oh, ok, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Et c'est jaune, bleu, oui. Jaune, rouge. Est-ce que ça doit avoir un rapport avec ça, non? Ouais, je suis d'accord avec toi aussi, mais... Jaune, bleu, jaune, rouge. Mais j'ai du mal à voir... Si, c'est ça, regarde, oui, c'est complètement ça. Qu'est-ce que je veux... Ah, je t'ai donné l'extincteur sans faire exprès. Jaune, bleu... Jaune, rouge, bah est-ce que ça ferait... Ah, attends, jaune, regarde, bleu... Genre fromage... Ah, attends. Oui, c'est bon, je l'ai. Je crois que j'ai compris. T'as raison. C'est ça. Ok. Le jaune, c'est en haut, c'est ça? Ouais. Bleu, oui, c'est où? Attends, je vais te dire. Je crois que bleu, c'était... Bleu, c'était à droite. Milieu okay. Droite. Jaune, bleu, jaune. Et rouge, c'est où? Rouge, c'est tout en bas. C'est bon. Ouais, voilà, c'était ça. Oula, je me suis mis dedans. Je suis dans le bâtiment. J'appuie là-dessus. Oula. D'accord. Je descends. Bah d'accord, salut, c'est long. Why did it have to be my milkshake, eel? It's the perfect rules. It had to be the milk. Milk's irresistible. J'ai une clé. Je remonte avec la clé, mec. Vas-y. Ça sera la clé du... La clé du... Ouais, c'est ça. De l'armoire, là. Pas de l'étagère. Bonne proportion, elles peuvent servir d'antidote. Donc maintenant, il va falloir faire l'antidote avec de la fève de calabar et de la belladone. Et la belladone, j'en vois pas. Mais alors... La fève de calabar, il y a ça ici. Ah, sirop de belladone, il y a ça ici. Ouais. Mais alors, donc c'était quoi ta recette exactement? Ça dit quand c'est mélangé dans les bonnes proportions. Mais qu'est-ce que c'est que des bonnes proportions? Il y a pas écrit? Non. Attends, voyons, je regarde. Non. Cependant, qu'elles soient mélangées dans les bonnes proportions, elles peuvent servir d'antidote. Étonnant, non. Je regarde dans ton écran. Là. Bah les bonnes proportions, c'est peut-être juste... attends. La moitié? Ouais, je sais pas, attends, je vais prendre le sirop de belladone. Là. Boire. C'est pas moi qui ai besoin de cet antidote. C'est qui a besoin de cet antidote? C'est toi? Vas-y, bois. Je me sens plus mal qu'avant. Non, c'est pas ça. Mais attends, attends, on va jeter le verre. Ah! Ok. Les bonnes proportions, comment on connaît les bonnes proportions? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est dessus là? Non, il y a quoi là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un indice sur le tableau? Quelles sont les bonnes proportions? Les bonnes proportions. Ouais, c'est toi qui es empoisonné, c'est pas moi en plus. Attends, donne-moi l'extincteur. Vas-y. Je vais éteindre la cheminée là-bas. Vas-y, go. Est-ce que je peux interagir avec? Oui. Bien joué. C'était quoi? Assiette sale, vas-y, tu peux la rincer dans l'évier. C'est toi qui l'as prise. Ah, bah je vais la laver. Ok, je la lave. Ah, ok. Ouais. J'ai un truc. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un flacon. Attends, je regarde.
Alors, attends, je regarde ton truc. Ah, vas-y. Ah, mais c'est... Alors, moi, j'ai pas interagi avec le machin. Bah, vas-y, je te le file, tiens. Mais je le regarde, du coup. Assiette cryptique. Mais c'est un rapport avec ça, ça ? Un, deux, trois... non, mais ça, c'est plus ça, là-bas. Ça, là-bas, ça sert plus à rien, ici. Un, deux, trois, quatre, là. Wow. Qu'est-ce que ça peut être ? Un... Alors, là... Non, c'est le bruit du pouls qu'on entend. Ouais, ouais, c'est ça. Le 1 va vers le 3. Et vers le 2 aussi. Il va d'abord vers le 2. Non, il va vers le 3. Il y a la flèche, elle va vers le 3. Non. Le 1, regarde, la première flèche sur sa droite. Le 1 part du 2. En fait, c'est le 2 traverse le 1 pour aller vers le 3. Oui. C'est ça. C'est le 2, 1, 3. Non. Et le 3, il fait... Il va vers le 4. 1, 2, de 1 à 2. De 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3. 3, 4. Non. En gros, le 1 va vers le 2, le 2 va vers le 3, le 3 va vers le 4. Le 2 va vers le 3 en passant par le 1, et le 3 va vers le 4. Ouais. Mais... En fait, je vois pas c'est quoi ces petits triangles-là. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Manque de peau, c'est vide. Oula. Merde, j'appuie sur un 10, je suis désolé. Ça tourne. C'est-à-dire, ça tourne. Ah, peut-être la placer sur le... Non, je peux pas la placer sur le tapis roulant, non. Ça tourne. Qu'est-ce qui tourne ? Triche. Bah, je suppose que tu peux peut-être le tourner. L'assiette, tu peux la pivoter, non ? Non, je peux pas. Je peux vraiment rien faire avec. Là, ici. Regarde. Ah ! Ah oui. Ah ok. Alors attends. Ok, alors attends, je regarde bien, que je comprenne bien comment c'est foutu. Ok. Faut que tu mettes le 1 en haut. Peut-être. Ouais, mais attends, comment je fais ? Je fais quoi ? Je fais valider ? Non, je peux pas valider, ok. Bon, admettons, c'est comme ça. Et du coup, si ensuite je fais ça, et ensuite ça, et ensuite ça... Merde. Mais attends, mais ça, c'est... À mon avis, ça doit nous donner une idée des quantités, je pense. Ça me semble étonnant quand même. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, surtout que... Non, attends. Oh putain, T'inquiète. Surtout qu'en fait, ça s'arrête pas pile dessus, en fait. Du coup, c'est un peu compliqué. Ah, c'est bon. C'est énorme. Ok, je l'ai, la recette de l'antidote. Attends, vas-y. Allez, go. Tu veux le faire ? Vas-y, ok. Attends, vas-y, tu vas me le dire. Je te donne l'objet. Ok, non, sinon, dis-moi. Ok, un soupçon de votre poison. Notre poison, c'était quoi déjà ? C'est la belladone. Un soupçon de belladone. Ouais. Trois soupçons du contraire. Donc la fève de calabar. Donc trois fois. Ouais. Un peu d'eau minérale. Ok. Agiter sans remuer. Non merde. Attends, je refais. Tu l'as bu là ? Ouais, je l'ai bu. Un soupçon de votre poison. Trois soupçons du contraire. Un peu d'eau minérale. Agiter sans remuer. Et comment je fais ? Tu le mets dans le shaker. Ah, remuer. Ah non, agiter sans remuer. Mais c'est... Non, mais je l'ai mis, j'ai remué avec... Ah merde, j'ai remué, putain. Bon, bah je le bois. Allez, hop. C'est qu'il est en train de s'empoisonner une dinguerie, là. Ok, vas-y. Un soupçon de votre poison. Trois soupçons du contraire. Un peu d'eau minérale. Agiter sans remuer, voilà. Et là, maintenant, tu le bois. Let's voilà go. Et il nous restait 2 minutes 30, c'est celui qu'on a pris le plus de temps, je crois, celui-là. See, a little motivation never hurt anybody. Hop là. Attends, je regarde. Ah, on n'a pas eu A+. Ah oui, parce que t'as pris un indice. Ouais, j'ai cliqué sur l'indice, j'ai pas fait... Ah, je suis deg. Ma moyenne a une baisée, putain. Joli travail, vous n'avez fait qu'une bouchée de ce poison. Temps d'évasion totale, 15 minutes 4. Au final, ça va. Ça va. You survived eel specialty. La spécialité d'eel. Une fois qu'on a développé une tolérance, c'est délicieux. Tout taf. Wouah ! J'ai vraiment cru que c'en était fini pour vous. Yeah. Beau travail. Je vous semble peut-être dur, mais si vous voulez vous qualifier pour la salle des rivaux, vous devez vous préparer à ce genre de surprise. Désolé d'avoir profité de votre casse-tête, Jeb. Je sais que vous comprenez. Je ne pourrai plus jamais boire de boisson à la fraise.
tellement réel, putain. Tellement réel. Lequel te dit ? Allez. Toi, t'aimes bien les ordinateurs, toi. Ah non, c'est sur 3. Il y en avait un autre à 2. Ouais, la serre, c'est dans la serre. Ok, bah go. Je te laisse faire la voix de professeur Bonilla. Attends, comment... Bienvenue dans mon espace, je suis la professeure Bonilla, dans une autre vie j'étais experte. Il ment toujours pas, mais dès qu'il entend une voix de femme, il dit c'est Ultia. Je suis passée à quelque chose de plus passionnant. La production de thé. Je me suis donné comme objectif de réaliser la tasse de thé parfaite. Alors j'ai enfin découvert ce qui me manquait. Je faisais bouillir mon thé dans une salle à température ambiante, mais au lieu de ça, si on préparait la salle à température bouillante. C'est pour ça que j'ai réglé le thermostat à 220 degrés. Ce n'est pas très plaisant pour vous, hein, mais c'est parfait pour l'expérience. J'adore cette idée. On peut compter sur Ali pour s'éclater en botanique. Je suis extatique que vous ayez décidé de braver la chaleur pour pouvoir préparer la tasse de thé parfaite. On ferait mieux de s'y mettre, hein. Astuce pour la préparation du thé. Ajouter de l'eau, faire bouillir, faire infuser les feuilles, ne pas mourir. Très bien, merci. Très bien, 25 minutes, c'est parti. Alors attends, voyons voir avec quoi on peut interagir. Ajouter de l'eau, faire bouillir, faire infuser des feuilles, ne pas mourir. Très bien. Alors, on peut utiliser un objet ici. Alors là, il y a des abeilles. Je suppose que si j'approche, je ne peux pas approcher parce qu'il y a des abeilles, c'est ça. T'as peur des abeilles. On va inspecter. Utiliser la bête en cas de prolifération. Ok. Là, il y a un code avec des lettres qu'on doit mettre. Un mot de 4 lettres. Mm-hmm. Le véritable amour s'épanouit ici. C'est écrit, ok. Il y a un truc avec des symboles de fleurs et de feuilles. J'ai chopé une pelle. Ça. Alors, il y a des trucs à creuser, c'est peut-être ça. Ouais, ici. Vas-y, j'arrive. Où ça? Oh, c'est bon. Ici, ouais. Là. Où là? Là, regarde, inspectez. Là. T'as fait quoi? Une clé, je crois. Je sais quoi. Non. Collier de la professeure, qu'est-ce que c'est? Et attends, il y en a un autre ici. Il est marqué KZ. Et là, j'ai chopé une graine de sérénité. Ok. Je peux pas m'approcher à cause des abeilles. Énorme. Je vais s'approcher à cause des abeilles, je pense qu'il faut les gazer. Fred, ce n'est pas la solution à tous tes problèmes. Et c'est quoi l'autre objet que t'as chopé, toi? Un collier avec marqué KZ. KZ. Alors peut-être que le KZ, c'est en rapport avec ça, l'amour. Un truc avec des lettres, donc il faudrait trouver un autre collier, peut-être. Ouais, t'as peut-être raison. KZ. Et là, et du coup, la graine de sérénité, mais j'en fais quoi, cette graine? Je la mets où? Où est-ce que je peux la mettre? Il faudrait que je la plante, je pense. Où est-ce que je peux planter la graine? Où puis-je planter ma petite graine, les amis? Mes petites ouvrières. Regardez, mes petites ouvrières, c'est vous. Hop là. Non, le trou est vide. Et là, t'as aussi, regarde, t'as un truc bizarre là, ici, avec un code... Ouais, et regarde, il y a un symbole de feu au-dessus. Ouais. Il y a un symbole d'eau au niveau des abeilles. Oui, t'as raison. Qu'il va y avoir un autre symbole plus tard. Totalement. Il y a un symbole de chimie là, il y a un bec benzène au-dessus de la porte ici. Oui, tout à fait. Utiliser la bête en cas de problème. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Mais alors, ma graine, je sais pas quoi en foutre. Ouais, je sais pas quoi foutre de cette graine. Où la planter? Qu'en faire? Graine de sérénité. C'est vide, hein, donc là, c'est pas ça. Ah, alors là. Le véritable amour s'épanouit ici. Ouais. Ouais. KZ. Est-ce qu'il n'y a pas juste un collier à ramasser? Peut-être qu'on a loupé un truc? Je sais pas. Je vais regarder. C'est très bizarre. Mais surtout la graine que j'ai là, je vois pas trop en foutre. Et là, c'est quoi les symboles? Un ours. Il manque une tablette là. Un réservoir est vide, il en faudrait un nouveau. Non. Si tu trouves un réservoir, il y a quelque chose là sous le. Il nous faudra du gaz. Encore. Ah. Attends. Ok. Ouais, il va falloir qu'on trouve aussi des petites tablettes pour mettre là-dessus. Mais alors là, par contre, j'ai du mal à voir où. Faire tourner. Il n'y a pas de pression. Il y a une autre valve quelque part.
Cette théière aurait besoin de feuilles. C'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, je galère à trouver juste la prochaine étape, parce que je vois un peu des trucs, mais la prochaine étape... J'ai vu quelque chose, hein, mais j'ai dû halluciner. Non, c'est pas ça. Vu, bah oui. Ah ouais? Non, on va pas appuyer sur X, vous êtes fous. On veut le A+. Il doit y avoir un truc à faire ici. Alors ça, c'est le truc final. Là, il va falloir du gaz. Là, il va falloir... Il n'y a pas de pression, il y a une autre valve. Il va falloir trouver une valve. Attends, t'as appuyé sur un truc, là? Ah putain, attends. Là, regarde au-dessus, il y a une valve. Et puis là... Putain, mais attends, il suffit juste de suivre le tuyau, non? Ah, mais elle est aux abeilles. Ah oui. Oui, c'est ça. Ah, mais je ne peux pas tourner ce poignet avec toutes ces abeilles. Oh, putain, il faudrait que je puisse pouvoir. Utiliser la bête. Et là, il y a des munitions, en haut. Des munitions? Là, au-dessus de la porte. Ah oui. Je pense que c'est ça qu'il faut faire maintenant. Mais alors, comment ça marche? Il y a une logique dans l'évolution. Oui, ça je l'ai compris, ce truc-là. Il y aura des tablettes à placer. Regarde, par exemple, tout en bas, si tu mélanges les deux du bas, ça donne les deux au-dessus, et pareil ensuite, tu vois. D'accord, ok. En vrai, c'est pas compliqué, mais il faut juste qu'on ait les objets pour pouvoir placer là-dedans. D'accord. À pouvoir placer là-dedans. Là. Ouais, j'ai du mal à voir. Je pense que c'est vraiment un truc... On va le retourner, ça. Faut vraiment trouver un collier, en fait. Collier ou autre chose, mais en fait je vois pas avec quoi je peux interagir, c'est ça le problème. Le collier, il y a juste écrit KZ dessus, c'est ça? Il y a juste écrit KZ, ouais. KZ? Non mais c'est clairement ici, hein, c'est clairement cette serrure là. Ah ouais. Le véritable amour s'épanouit ici. Est-ce que c'est ici, genre, ici? Ouais. Un mot caché dans le... C'est dur, là. Ici, ouais. Attends, c'est censé être le 2 clés, celui-là, seulement. Merde. Utiliser la bête... Mais ça, je pense que c'est un truc que c'est un truc qui s'ouvre là-dedans, la bête. Je pense que c'est là-dedans, je pense. Parce que tu vois, t'as les bonbonnes de gaz en bas, machin, tout ça. Les bonbonnes de gaz, ouais. Donc en vrai... Le trou est vide, t'as bien regardé tout le trou, là, ouais. Et avec ça à creuser... La bête... Ça, là, c'est impossible. Au-dessus, là, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dur! Ouais, c'est pas facile, hein. Une ours, la bête, l'ours? Non, mais non, on peut pas interagir avec. C'est pas ça. Ouais, alors, le K, c'est sûr. Attends, mais y a pas le K? Petit K. Z. C'est quand même le collier, il a quelle forme? C'est une forme d'étoile éclatée. Un cœur KZ. Parce que là, j'ai le KZ, j'ai mis le KZ ici. Mais les autres... Cœur KZ. Non, t'inquiète, moi, ça va marcher, c'est sûr. Il y a un truc à voir en haut, non? Il y a des quoi? Il y a des citrouilles, il y a des plantes, des fleurs rouges. Ah, putain, on perd bien du temps là en plus. Ouais. Le véritable amour s'évanouit ici. Le véritable amour. J'ai mis le KZ à la fin déjà. Ouais. Parce que peut-être ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça. C'est forcément pas ça. Montre ton collier sur ton écran. Un mot à
C'est un mot à 4 lettres, love, KZ. Mais attends, elle est bizarre l'écriture. KZ. Si tu le tiens à l'envers, ça fait pas un truc... Attends, mais il est bizarre le truc quand même, attends. Non, moi je trouve que c'est le 4 Kellogg's quoi. Ouais, mais regarde le Z, il est bizarre, c'est quoi cette barre au milieu, machin, tout ça. Il y avait pas un E, L, quelque chose, non. KZ. Je pense que toutes les lettres sont là en vrai, mais j'ai du mal à les déchiffrer. Non, ça fait... J'essaie de me retourner la tête. Non, c'est un Z normal, mais un peu bien écrit, quoi. Moi, j'ai quand même des doutes sur le fait que ce soit pas... Je sais pas. Putain ! Ouais, là, c'est vraiment... galère de fou. Là, c'est vraiment galère. Champignon. Je regarde si j'ai pas un truc sur lequel j'ai pas cliqué. Ça. La pression de l'eau est à zéro, ça va venir après, je suppose. Et ce truc, du coup, ça vient après. C'était sûr que ça n'a pas, ça peut pas être le truc à faire dans le pour la bouteille de gaz, là. Je pense que les trucs de bouteille de gaz, c'est les petites tablettes de là-bas, là. Attends. Le véritable amour, c'est pas... J'essaie de le voir, parce que là, on dirait peut-être un cœur, ça, mais... Ça donne pas un indice particulier. Le véritable amour... 4 lettres, amour. Ça termine par KZ. C'est peut-être pas KZ, je te dis, j'ai essayé, mais il n'y a pas de L au début, donc j'ai essayé l'homme. Non, c'est sûr que c'est KZ, mec. Est-ce que c'est un rapport avec les carreaux, la couleur des carreaux, non. Oh, j'essaie de comprendre. Le chat commence à devenir fou. Je comprends pas encore. C'est l'amour. Il y a des yeux sur le côté. Ouais, sur l'autre côté aussi. On n'aura jamais le temps de finir, mais attends. Bah, va falloir speedrun la fin, quoi. Le véritable amour. Vous avez la solution, n'hésitez pas à Prime, bien sûr. Un mot qui fait. Comme ça, je saurais que vous l'avez. Je me dirais, putain, ouais. Mais waouh. Intelligent, cette personne. Ouais, je vois pas où faut regarder les gens, là. Là, c'est impossible. Je l'ai! Ah, vas-y. Là, regarde! C'est AB! Oh putain, là. D'accord. Oh ah. Putain, sa mère, je l'avais pas vu. Attends, je le mets, vas-y. Oh putain, sa mère. ABKZ, ABX. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La place est prise, ok. J'ai mis les outils à T. Je t'ai donné les objets. Oh non. Ah, d'accord, ok. Ok, j'ai les trucs, j'ai les objets, j'ai les tablettes étranges, j'ai tout ça. Je vais aller les placer, les tablettes étranges, ok? Vas-y. Attends, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut, là? Avec ça? Attends, inspecter. Ah, il y aura... Faudra déplacer les pinceaux, les panneaux, machin, tout ça, là. Tu vois? Je pense qu'il faut les... Attends. Ouais, on peut faire ça. Ok, je sais pas encore quelle ordre c'est, je vais essayer de placer déjà quelques trucs là-bas. Vas-y. J'essaie de comprendre ça, moi. Là, il y a le cœur. Charmant, mais pas très utile. Pinceau. Celui-là. Pinceau et clé à molette. Celui-là. Pinceau et clé à molette. Du coup, là, c'est lui. Du coup, là, c'est lui. Et j'aime là-haut. Mes outils comme mes tasses à thé bien rangées. C'est bon, j'ai ouvert. Ok. J'ai ramassé les bouteilles de propane. Ah, attends, est-ce que ça serait là? Attends, c'est quoi ça? Tasse à thé. Ah, ok, compris. Compris. Tasse à thé bien rangée. Merci pour le train, les gens, merci beaucoup. Ok, alors, ok, d'accord. Je comprends. Ok, je suis en train de faire cuire un truc là. Cette théière a besoin de feuilles.
File-moi la feuille de thé que je t'ai filée, mec. Okay, la graine, je sais pas si ça sera suffisant. Vas-y, file la main. Graine, ok, vas-y, tiens. Je sais pas si ça ira pas, ça. Il faut des feuilles, pas des graines. Bleu. Rouge. Tu peux quand regarder. Non, feuille. Le bleu. T'as fait quoi, là? Pour la tronçonneuse. T'as la tronçonneuse? Ok, vas-y, viens. T'as la tronçonneuse? Ouais. Utilise, je crois, il faut que t'aies là le carburant peut-être pour la tronçonneuse ou je sais pas quoi, non? Carburant... Non, ça marche pas. Vas-y, essaye d'utiliser la tronçonneuse sur les abeilles pour voir. Alors, merde. Non mais par contre, on va peut-être l'utiliser là-dessus, non? Vas-y. Ah oui. Voilà, c'est ça la bête. Grotesque, oh là là. Et de l'autre côté aussi du coup, hein? Ouais, bah oui. On aura jamais le temps. Il y a des papillons. Mais non mais surtout, il y a des trucs à réorganiser ici, là. Ça va aller, t'inquiète, t'inquiète. Je suis en panique, je suis en méga panique là. Non, attends. Les papillons ne se poseront pas tant que les fleurs ne seront pas dans le bon ordre. La fleur C doit être la deuxième plus proche de la lumière. Ok. Ok, vas-y, continue à me dire les indices. Ok, attends. Ok, deux secondes. La fleur C doit être la deuxième la plus proche de la lumière. La fleur A doit se trouver entre deux plantes. La fleur A, B et E n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Ok. C'est fait. Okay. Okay. Et donc maintenant que les papillons sont posés, qu'est-ce qui se passe? B. Bannisseur d'abeilles dangereuses et bourdons. B-A-D. B-E-E. Bad B. Bad B. Mais les méchantes abeilles, c'est vous ça. Attends. Okay. T'as développé un fétiche chelou avec ce costume. Ouais, je sais, c'est ma faute. Alors attends. Oui, mais sauf que c'est des couleurs sur lesquelles on peut cliquer. C'est des boutons. Ouais, ça correspond. Alors, à moins, il faudrait trouver un truc où bouton égale quelque chose. Bah, les papillons, d'ailleurs, ça marche pas. Non, c'est pas ça. Et va ouvrir l'autre porte de l'autre côté aussi. Ouais, j'y vais. Avec toi. Moins de 10 minutes, ça va le faire. Tu sais, tu peux courir, hein. Effectivement. Ça ne va pas le faire. Mais c'est la bête dans le cas de produire. Réservoir vide. Attends, faut que je l'arrive. Allez, vas-y. Voilà, c'est fait. Bien. Y'a quoi derrière? Un laboratoire avec plein de choses. Mitochondrie, chloroplaste, noyau, vacuole, membrane cellulaire, pas savoir les trucs. Chloroplaste avec... je suis avec toi. De l'ADN. Là, il y a un truc où on peut peser des choses. Expérience. Mon sérénité est enfin prêt à être planté, ça sera un chef-d'œuvre. PS, il faut que je continue à chercher ce collier signé AB. Ok, j'ai la graine de sérénité, mon sérénité est enfin presque peut-être à être planté, ça sera peut-être mon chef-d'œuvre. Ok, donc là il y a un truc pour rentrer en code ADN. 10 000 bits, merci beaucoup. Attends, je suis désolé, je remercie juste après, mais je suis vraiment en mode, je suis désolé. Là, c'est mais Twitch, il donne des bits bonus si on fait analyse des dons en plus. Analyse du poids des graines, oh là là, au secours. Alors attends, les poids des graines, attends. Analyse du poids des graines. Ok, je vais peser la graine que j'ai. Elle pèse, vas-y go. Elle pèse 0,23 grammes. 0,23, c'est donc la GTT. Oh putain, j'arrête. GTT, et du coup, c'est... GTT, ça existe pas, mais... Si j'ai pu faire GTT, non, c'est pas ça. Là, regarde, tu vois, tu peux rentrer des codes. Ouais, c'est pas la GTT, du GTT, coup. GTT, c'est bien 0,23. GTT... Non, mais en fait, attends, il faut... Attends, mais non, GTT... Non, mais c'est ça, non, c'est là. Oui. GTT... Y'a pas, mec. Attends, 0,23, c'est la GTT... Et il faut ensuite la suite du code, c'est juste la première partie du code en fait. Ok, GTT. Et du coup, après, il faut reposer peut-être? Je pense pas, non. C'est quoi? C'est les chloroplastes. Il faut analyser ces chloroplastes. Comment j'analyse ces chloroplastes? Comment on analyse les chloroplastes de la plante? Non. Je sais pas ce que c'est les chloroplastes. Chloroplastes, c'est un nombre. Ouais, mais sauf que je vois pas comment je l'analyse ce chloroplaste. C'est vraiment de la botanique, chloroplaste, non c'est pas ça. Là, rien dans ce tube, donc tu peux pas mettre ici, non. Ça, c'est
Pas ça. Parce que c'est sûr, c'est GTT. GTT. Alors, attends, non. GTT. GTT. Alors, attends, non. Là, c'est quoi ça? Ouais. C'est peut-être le truc des papillons là-haut, qui, là-bas, qui nous donnera la solution, hein, je sais pas. Hein. Mais alors, attends, les papillons, là, je l'ai pas compris. Le bad bee, là, comment je. Il reste 6 minutes. Je pense que ça va libérer les. Bon, attends. Ah ouais, il faut comprendre ça. Bad bee. B. Bannisseur d'abeilles, bad bee. Et comment ça marche, ces papillons? Tu l'as fait, le truc des papillons de couleur? Ah, attends! Attends! J'avais pas vu le... Attends. Quoi? Regarde sur mon écran. Je suis au microscope, oui. En fait. Ah oui, putain, oui, d'accord. Alors, c'est quoi cette merde? Attends. Ah, c'est des, t'as la chloroplaste, il faut que je compte le nombre de chloroplastes qu'il y a. Ok. Ok, vas-y, go. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. 8, et du coup, c'est... Alors, vas-y. C'est tag. Attends, GTT... Donc, c'est... Donc, ça serait... C'est bleu en premier, donc c'est tag, tag GTT. C'est tag d'abord. T-A-G-G-T-T. Merde. Non, c'était le contraire, mais ouais, c'est bon. Ramasser une feuille de thé. Ouais. Donc avec ces feuilles de thé, qu'est-ce que je fais? Je peux les peser au microscope, j'en sais rien, non? Les peser au microscope? Je pense pas. Mais attends. Les peser au microscope, effectivement. Je pense pas. Non, je pense qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Bah, mais... c'est pas... Ah, faut que je les fasse bouillir là-bas. Ah ici. Oui, c'est ça? Là. Faut les faire bouillir? Oui. D'abord, mets de l'eau. Non, c'est bon. C'est fait. Wake up, little tea plants. Time for a bath. Faire infuser les feuilles. Ajouter de l'eau. Mais là, il faut rajouter de l'eau. T'as pas mis d'eau? Il faut mettre de l'eau d'abord. Ah bon? Bah oui. Ouais, mais ça compte quand même. Vas-y. L'eau, bah je sais pas où je la trouve, l'eau ici. L'eau, c'est il faut la réactiver, mais pour ça, il faut chasser les abeilles. Faut comprendre le truc des abeilles. Ah oui. Ah, mais alors ça doit être ça. Bad bees. C'est forcément ça parce qu'il y a 6 lettres. Bad bee. Donc ouais. C'est juste, il faut trouver. Il faut qu'une lettre doit correspondre à une couleur ouais, et il faut le trouver. Une lettre doit correspondre à une couleur. Complètement. Une lettre doit correspondre à une couleur. Mais en fait, tu pouvais mettre les trucs là-bas dans le désordre. L'eau, tu pouvais le mettre en dernier, je pense. Je pense mais que c'est ça. Là c'est juste là en fait, regarde. Ah! C'est les couleurs, elles sont ici. Oui, vas-y, dis-moi quelle couleur. Vas-y, dis-moi, B, alors, c'est quoi? B, c'est bleu. Oui. A? A, ça ressemble à du marron. Violet? Non, c'est rouge. Ok. D, c'est quoi? C'est pareil du jaune encore. Non, attends, c'est les mêmes couleurs, A et D? Oui. Ok. B, encore donc c'est bleu. Bleu. E, c'est quoi? C'est espèce de truc grisâtre, donc le blanc peut-être? Non, alors, j'ai fait ça, mais c'est pas bon. Je pense que t'as un problème de couleur. Je regarde. Ouais, attends. Ouais. Non, c'est rose, ça, mec. Le B, c'est rose. Le B, il est rose. Comment ça, le B, il est rose? T'es daltonien? Je te jure que le B, il est bleu, qu'est-ce que tu racontes? C'est la couleur du papillon qui compte, mec. Il y a un papillon? Des papillons au-dessus ah des oui, fleurs? Ah putain, j'avais pas vu les papillons. C'était ça qui compte. Je disais la couleur des peaux. Non, ah, vas-y, les papillons, s'il te plaît. Donc B, c'est donc quoi? C'est rose, donc rose, vert, bleu. Ouais, et rose encore. Et... Rose, vert clair, vert clair. Mais non, c'est pas bon. Mais... Attends, parce que... Il est quelle couleur, le... Attends. C'est quelle couleur? Ah, c'est du jaune, c'est du jaune, mais du jaune dégueulasse. Donc le dernier, c'est jaune. C'est bon. Repousse abeille, okay. Je l'ai. Va chercher. Ouais, vas-y. Je l'ai. Vas-y, go. Wow. Je fais tourner. Hop là. Voilà. Ok, je mets de l'eau. Oui. Let's go. Allez. Ouh. Oh, c'était pas un simple lore. On a juste galéré. Ouais, au début, avec l'arbre en fait, le truc de l'arbre ouais, au début, l'arbre. C'est qui nous a baisé. Et pourtant seulement un A, pourtant on l'a pris d'un 10. Ouais. La théière, on dirait que... Merde. Ouais. Pardon. T'inquiète. Ah oui, tu vois, les premiers trucs, on les a résolus dans la première minute, et on a mis genre plus de 10 minutes à trouver l'indice suivant. Oh, et après par contre, c'est à toute vitesse. Hein. Ouais, après on a enchaîné. Genre 10 secondes d'écart entre les trucs. Ouais, c'est clair. Et le jeu, il est trop bien, je crois. Cool. Bien mieux que Escape Simulator, je crois. C'est plus poussé, mais Escape Simulator c'est sympa, mais oui, c'est un peu plus rudimentaire, on va dire. Ouais.
Ah, voilà. Je te laisse faire la voix. L'expérience est un succès. Jamais un thé n'aura été aussi bon. Et il semblerait que vous soyez toujours en vie, quelle expérience purifiante. Je dois bien l'admettre, ce thé sent drôlement bon. Mais je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez laissé tomber les bombes. C'est une grosse perte pour la communauté des explosifs. Ok, mais je me suis jamais senti aussi épanoui. Je vais juste remercier quelques subs, mon cher Fred. Oui. Je l'ai pas fait depuis un petit bout de temps, je m'en occupe tout de suite. Je me mute et j'arrive tout de suite. Tiens. J'arrive. Donc j'en profite tant qu'il est là. Merci Dress Iris pour le Prime. Sirlook, les 23 mois. Adeline, les 500 bits. Jerem, les 300 bits. Et merci Kéosiris pour les 10 000 bits. CAF85 qui donne 100 bits, merci beaucoup. Maten Roshi, merci pour le Prime. Merci Fromtware pour les 33 mois. Aurélien, les 4 mois. Merci Adeline pour les 100 bits. Stibou, les 6 mois. Alex LMD, les 5 mois. CRTV, les 2 mois. Syntax Error, l'année. Ludo in Space, le Prime. Alisk, les 14 mois. Corentin Eric Foller, les 9 mois de sub. Merci Géréon. Félistering pour les 25 mois. Mappen Malin, les 10 mois. Kevin 29, les 2 mois. Supernova Vie, le Prime. Merci Tristig pour les 32 mois. Prina Lucis, merci pour le Prime. Pas de sub. Fullfire, les 8 mois. Mister Thomas, le Prime. Fastix, le Prime. Portergeist, c'est l'année. Brosselia, les 2 mois. Death Iris, merci pour le Prime. Sarlok, les 23 mois. Merci Daken pour les 11 mois, merci beaucoup. Ah merde. Désolé, ça a pris un petit peu de temps, tu m'excuseras. Ah bien sûr, évidemment. Ah bien sûr. Smarties. Je suis... Darktooth, le Prime. Je ne suis que le Robin de Batman, après toi. Ah merde. Mais non, n'importe quoi, arrête de dire des choses. Il nous faut la... Maintenant, il faut qu'on fasse la salle informatique. Allez, let's go. Ok, inspecter. Greetings, people. Vas-y, tu feras le robot, je fais le gars. Ah. Attends, le robot... Tu mets robot plus mégaphone. Salutations, élèves. Mes algorithmes avaient prédit votre visite dans ma classe. Ce petit ordinateur est plutôt impressionnant, hein. Ne faites pas attention à moi. Je suis simplement ici pour observer, avec un seul œil. La raison de notre interaction d'aujourd'hui est la suivante. J'ai analysé vos performances à l'académie et j'ai généré une hypothèse. Vous avez triché, bande de fils de... Vos évasions ont été parfaites et donc mathématiquement impossibles. Je dois donc recommander votre expulsion, qui sera rapide et gênante, je le crains. Wouah ! Voilà qui est inattendu. Vous avez une opportunité de rester à l'école. Si vous pouvez pirater les pilotes de mon système central, je pourrais peut-être réévaluer ma conclusion à votre sujet. Mais vous allez échouer, c'est certain. Oh non, on va se faire virer de l'école. Non. Quanti. Il faut pirater Quanti. Il a vraiment la tête de l'ordinateur dans le dessin animé Pole Position, mais c'est vraiment une référence qui parlera à personne. C'est vrai que je ne l'ai pas, cette référence, j'avoue. Ouais. Mais comme tu le sais, j'en ai aucune, bien sûr. Tu l'as remarqué. Alors... Où est-ce qu'on a ? Salle du serveur, ok. Parler... Ah non, pas... On peut parler à l'ordinateur. Okay. Personnalité. Ah oui, il faut remettre le courant dans ces contrôles des lasers. Contrôle personnalité, des lasers, personnalité, ouais. Déjà, faut commencer par remettre le courant, quoi qu'il J'ai arrive. J'ai chopé un tube à énergie. Voilà. Là, il y a un... Il manque un morceau, il manque des tuyaux. Ici. Là, il y a un calculateur binaire avec les nombres 8, 4, 2, 1. Voilà, c'est à chaque fois le double, enfin, divisé par 2 à chaque fois. Ah, ça c'est quoi? Utilise objet. Regardez-moi toutes ces miettes. Qui irait manger des miettes aussi sales? Donc je pense qu'il va falloir capturer la souris à un moment donné. Ah oui, il y a des chances, effectivement. Ne capte pas, il y a de l'électricité dans la pièce. Voici Turmeric, l'adorable mascotte de la classe. Là c'est la... C'est le truc sur le rat, voilà. Justement. Là, beaucoup de talent à faire les donuts. La souris c'est Turmeric. Ouais, là il y a aussi pour choper un donut. Sucré au sucre, j'ai l'impression. Et ça a l'air d'être le... Attends, c'est le quoi? Là c'est si c'est A2, ça c'est B1, ça c'est D4. Ça voudrait dire que ça, c'est... J'ai envie de crever. Attends, ça voudrait dire que ça, c'est... J'ai envie de crever. Attends. Oula. A2, B1. Attends. B3... Bah... Ah, attends.
Attends. Et maintenant, il faut une pièce, de toute façon. De toute façon, quand il arrive, il faut une pièce. Ah, faut une pièce. Ouais. Merde. Faut trouver une pièce. Ouais. Là, il y a un truc à faire. Ouais, calculateur binaire. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Effectivement. Ok, le sudoku pourvu. Pour vous. Pour tous. Quelles sont les règles du sudoku? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais joué au sudoku. Ah, mais attends. Ah oui, moi, je sais jouer au sudoku. Ah, ok, c'est un sudoku, le truc. Ok, en fait, là-bas, c'est un sudoku pour prendre le truc. T'inquiète, normalement, c'est bon. Je sais pas jouer que je le prononce mal, apparemment. Je sais. Ça va forcément être un 4 ici, mais lequel ça va être... Attends, oula, je te vois plus. Attends. Ça va être soit D4... Non, ça peut pas être D... Si, c'est forcément... Attends. Soit D... Non, ça va être C4, je pense, ici. Si je fais C4... Ah non, il faut forcément mettre une pièce. Il faut mettre une pièce, hein, dans tous les cas. Ça va être C4. T'as un tuyau, là? Ouais, j'ai un tuyau. Vas-y, filme-moi le tuyau pendant ça. Pourquoi? Tu sais quoi en faire? Ah, il y a des pièces. Regarde, je ferai de la monnaie. Attends, je te file ça, vas-y. Vas-y. Toi, comme ça, tu peux... Ouais. C'est bon, j'ai chopé le donut sucré au sucre. Hop. Et voilà. Bah, super, mec, bravo. C'est bien. Et là, maintenant... Est-ce que c'est ça qui va attirer la petite souris? Ah oui, peut-être, t'as raison. Ok. Hop, et là, hop là, j'ai la souris. J'ai ramassé le rat. J'ai le rat, c'est moi qui l'ai. J'ai le rat. Ah bah je l'ai aussi, on a un rat chacun? Un rat chacun. What the hell? Et maintenant ce rat, qu'est-ce que j'en fais de ce rat? Moi je peux mettre ça. Il nous observe au-dessus le gonzin, si tu regardes. Professor Quanti's not screwing around. Ah oui? Où ça? Au-dessus là, à l'étage. Ah oui, tiens, oui. Il est en mode... le mec dans Half-Life. En fait, faut remettre le courant, ouais, t'as raison. Le mec de... Le mec dans Half-Life. Ah oui, oui. G-Man. Voilà, le courant est revenu, j'ai l'impression. Non? Non, je crois pas, non. Attends. Non, je crois pas, non. Attends. Inspecter, y'a pas de courant, non? C'est... Ah, attends, si, c'est là. Bah voilà, très simple. Regarde, tu mets le rat dans la cage. Oui, t'as mis le rat dans la cage. Mais moi, j'ai aussi... C'est la vanne, c'est la blague. Ah. Désactivé, laser activé, mot de passe. Attends, je veux faire un test. Si je vais dedans, il se passe quoi? Oh! D'accord. Mais ça veut dire que je peux quand même y être. Ah, mais il se ferme. Il se ferme. Regarde. Contrôle des lasers ici et là de l'autre côté. Non, ça se ferme. Ouais, non, le contrôle des lasers, faut trouver le mot de passe du contrôle des lasers. Contrôle des lasers activé. Est-ce que ça a pas un rapport avec le truc binaire? Ouais, mais je sais pas quoi. Mais pourquoi j'ai le rat moi aussi maintenant? J'ai encore le rat sur moi, mais bah, bon. C'est pas grave. Ouais, je sais pas. Ah, attends, si, regarde. Là, sur les ordinateurs, ils sont. Ah, t'as raison. On peut mettre des carrés, ronds, triangles. Carré, ouais. Triangle. Triangle. C'est quand même. Mais attends, faut pas faire n'importe quoi, tu vois, mais. Oui. Du coup, attends, ça fait quoi ça? Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Mais quel rapport avec le truc en binaire là? 1, 2, 3, 4, il y a que 4 sans bleu binaire. Attends, je regarde. C'est un truc que j'ai loupé. Tu le mérites, qu'est-ce qu'il y a pas un machin? Ça, c'est pas ça. Il y a plein de gens qui l'ont, hein. On est les seuls à pas l'avoir, hein. Bien sûr. De toute façon, en même temps, on est suivi par des génies. Et uniquement des génies. Ah ouais, c'est comme ça chez toi? Moi, c'est ah ouais, pas c'est du c'est tout ça, moi. Ah ouais? Ah ouais, non. Ils sont bêtes, hein? Moi, oh, moi, putain, c'est mec, c'est chaud. Putain de génie. Ça, c'est chaud, moi. Ah ouais, c'est des. C'est des investisseurs. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ah, mes bah, petits investisseurs. Hein. Ça veut pas dire qu'ils sont intelligents, ça. Ah, attends. Ah, ça fait des symboles, attends! Regarde les écrans de pause. Oui. Ah oui, oh, c'est facile. Ok. Alors, carré. Ensuite, carré. C'est rond. Il faut mettre tous les carrés, genre? Je sais pas. Non, carré, rond. Non. Ah, vas-y, fais voir pour moi. Peut-être c'est ça, mais je crois pas. Vas-y. Non, c'est pas ça. Ok, bon, c'est pas ça. Donc le premier, c'est un carré. Mais carré au carré, début. Carré, rond. Rond, ensuite, carré. Oui. Triangle. Oui. Rond. Merde. Attends, t'as changé un truc. J'ai changé. Triangle l'avant-dernier. Voilà. Ok. J'inspecte. J'ai virus.exe au fichier. Maman ouf. D, Del, Ila. La mère du professeur, elle a dû faire chavirer bien des processeurs. Attends, merde. Ouaf. C'est Sprocket. Je le flatte. Attends, je peux le flatter. Et fausse piste. Attends. Je le flatte. Oh, on peut caresser le chien. Ouais, je le flatte. Voilà. Ça commence à me gaver cette histoire. Fausse piste. Et les fichiers. Virus. Ah non, c'est la même chose. Virus. Ça, Del, numéro de... Ah oui, attends. Numéro de modèle de la cible. Ah oh, non, merde, attends.
C'est toi qui fais ça? Oui, je l'ai. Non, je l'ai pas, mais attends. Numéro de modèle de la cible. Est-ce qu'on a le numéro de modèle du... de notre ami? Notre ami? Notre ami l'ordinateur. Je sais pas s'il faut le numéro de modèle ou... Oula! Un truc qui s'est... Non, non, mais je regardais s'il y avait pas un truc qui s'affichait, l'air de sécurité. Salle du serveur, ça ne doit pas bouger. Non, c'est pas ça. Ça doit... C'est pas un rapport avec ça, ça a un rapport avec ça? Je suis pas sûr, je sais pas. Attends, fichier, waf. Merde, non. Virus numéro de modèle de la cible. Okay. Et si on clique sur virus? Non, c'est pas ça. Hospice, maman, Dell, Ila. Attends, il y a quelque chose qui est apparu sur le machin binaire. 8, 4, 2, 1, c'est toi qui l'as mis ou... Non, ça a toujours été là, mec. Ça a toujours été là. Bon, mais c'est juste, tu les actives ou pas. Alors, attends. Je pense que c'est plus dans cette salle. À mon avis, dans cette salle, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Il y a une GameCube. C'est énorme. Bon choix. Ah, virus numéro de modèle de la cible. Comment je peux savoir le numéro de la cible, moi? Créer. Oula! Il m'a donné un... Ah ouais, mais attends. Virus créé, d'accord. Okay. En fait, je crée des virus. Tu crées des virus, donc il faut savoir le... Ouais. Il nous manque une information. Ah ouais, mais sauf que du coup, là, j'ai des... J'ai virus numéro 13 et tout. Ah ok, non, c'est pas les bons. Ouais, il nous manque des informations. Ok, alors attends. 8, 12... Ah, attends, attends, les mots de passe pour les lasers, mec. Est-ce que ça serait pas le nom d'un de ces trucs qui kiffe, là? Genre sa maman. Dell Hilar. Est-ce que ça serait, pourrait pas être ça? Bah, on va taper... Dell... Ah non, y a pas. Y a pas de L. Alors attends, est-ce que tu peux écrire, sinon... Sprocket, est-ce que tu peux l'écrire ou pas? Non, et ça, si je fais mot de passe, c'est mot de passe oublié. Nom de la mère. Attends. Bah, Dell Hilar. Dell Hilar. Nom du chien. Le nom du chien, c'est Sprocket. Votre mot de passe, code. C-O-D-E-S. Vas-y, écris-le. Attends, je l'écris. Code. Alors, avec un S. J'ai regardé. Oui, t'as écrit Q. Code. Le ok, maintenant on peut aller voir ici. Et de 0%. Non, fais le virus, peut-être. C'est le modèle numéro 13. Modèle numéro 13. Mais du coup, la disquette que j'ai, elle est bonne, du coup. Du coup, ce que j'ai mis était bon, attends. Au pif total, j'ai eu le bon truc. 841. Est-ce que c'est ça? Ouais, mais j'ai fait tout danser, là. First, I was afraid. I was quantified. First, I was afraid. I was quantified. I was quantified, il a dit. Bah, il faut marcher là-dessus, non? Comme ça? Il fallait faire 13 en binaire, non, et j'ai non, fait non, ça. Regarde, c'est très simple, c'est très simple. Reviens en arrière, reviens en arrière. Ah oui, oui, ok. Voilà. Ah. Oh! Attends, non, c'est à moi. C'est à moi d'y aller, je crois. Ok, alors attends. Okay. Alors attends. Vas-y, vas-y, voilà. Voilà. Je peux pas bouger, moi. C'est à toi de le faire. Non! Ah merde! Attends, vas-y, là. Vas-y. Ok, j'avance, je recule. Non, tu vas à ta gauche. À gauche. Quoi? Mais non. Pourquoi? Ah non, c'est bon. Ah putain, ça a pivoté dans un sens chelou. Vas-y, va là. Non. Ah putain, c'est pas en arrière. Attends, je vais le faire si tu veux. Vas-y, vas-y. Non, c'est toi, ouais, c'est toi. Ok, moi je peux pas y aller. Quoi? Ah, ça reset, ça reset. Attends, bouge pas trop, mais bouge pas comme un ouf! Voilà, c'est bon. C'est toi, voilà. Mais putain. Mais putain, pourquoi il me. J'ai rien fait. Vas-y, recule. Vas-y. Ok, cool. Okay. Ah putain, il faut que je. En fait, il faut que je bouge vite en fait. Vas-y. C'est toi là, t'es bon. Je bouge. Voilà, cool. Je comprends pas tout, hein, j'avoue. Je recule. Là, c'est bon. Ok, là, c'est donc... À ta gauche, ok, voilà, ouais. Bon. Attends, je m'en occupe. Quoi? Oh, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, quand il te met sur une tête de mort, il faut dégager, en fait. Attends, vas-y, laisse-moi faire un peu le truc, je regarde. Vas-y. Ok, monte. Là, c'est là. Attends, maintenant. Vas-y. Là, ok, c'est moi à gauche, là. Vas-y. Donc, c'est moi à gauche, donc c'est-à-dire je fais vas-y, ça. Vas-y, encore. Et au-dessus. Et c'est... J'avance, voilà. Il faut que je dégage, là? Non, ça va.
Vas-y, c'est alors c'est à toi de reculer. Recule alors. Je recule. Mais je comprends rien. Je comprends pas. Non mais c'est juste son brain fart en fait, mais parce que quand il se met à l'envers, faut réfléchir. Non, mais non, alors, mais justement, attends. Bah oui. Ok. Ah putain. Attends, il faut peut-être qu'on le fasse tout seul en vrai. Qu'on le fasse quoi? Tout seul? Ouais, vas-y. Vas-y, sors du truc là, et va là-bas. Sort, voilà. Et je vais là-bas. Ouais, c'est, voilà, ça, c'est ça le problème. Vas-y. Donc là. Là, t'avances. Voilà, et je me mets là. Voilà. Ok. Là, je recule et je vais. Alors, c'est à l'envers, donc je devrais aller à gauche, mais après, je vais à droite. Voilà. Mais bon. Ça a ouvert ici. Le brain fart est puissant, là. Non, mais le fait qu'on ait fait à deux, ça nous a perdu, en fait. Ok, donc là, il y a des trucs. Merde, il faut désactiver tous ces trucs. Je désactive tout. Il y a des trucs marqués. Ok, ça a tout réactivé. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Bon, alors, attends. Ouais. Inspecter, noyau quantum, pirater. Lancer le PP... Merde. Lancer le PPCM pour confirmer. Le PPCM. PPCM. Le PPCM. Tu vois, c'est les mêmes symboles qu'il y avait sur les ordinateurs tout à l'heure. Tu vois, carré, rond, triangle. Ah oui, ici, là, protocole de prise de contrôle manuel, là. Elle est de la valeur la plus basse de la série à la plus élevée. Donc ça serait carré, triangle, rouge. Donc carré blanc, triangle jaune, rond rouge. Attends, carré blanc, triangle jaune, rond, triangle... Putain, mais moi, je l'ai pas. Carré blanc, triangle jaune, rond rouge. Il n'y en a aucun. Attends. Carré... Attends, voilà. Attends. Allez, de la valeur la plus basse. Ok, attends. La série la plus élevée. Donc le carré est forcément blanc. Bah ouais, j'ai pas. Est-ce que c'est un rapport avec le truc binaire? On l'a utilisé le truc binaire ou pas? Non, on l'a pas utilisé, mais je pense que j'aurais dû l'utiliser tout à l'heure pour trouver la disquette, mais... Il est trop tard pour partir. Mais non, on peut plus partir. Fermé, donc c'est forcément ici. On peut pas revenir. Oui, oui. Carré blanc. Attends, 4. Carré blanc, triangle jaune. Triangle jaune, est-ce que ça correspond à ce qu'un triangle... Comprends pas. Triangle jaune, carré blanc. Ah non, mais attends, est-ce faut que... d'abord est-ce commencer que... par ça. Attends, mec, attends. D'abord ça. Il faut aller de la plus basse à la plus élevée. Donc c'est celui-là le bon. Ensuite, attends. Attends, ça doit faire jaune, blanc, jaune, blanc. Ah non, je l'ai pas, ça, ensuite. Mais non, c'est... Alors, attends. Carré bleu, triangle rouge, rond, jaune. Carré bleu, triangle rouge. C'est toujours... Attention, c'est toujours carré, triangle, rond. Carré... Donc, c'est bleu... Attends, mais là, le premier rouge, je l'ai désactivé. Il faut faire le 2, maintenant, ensuite. Bleu, rouge, jaune. Bleu, rouge, jaune. Non. C'est jaune, blanc, bleu. Jaune, blanc, bleu, mec. Jaune, blanc, bleu. Mais oui. Comment ça? Pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'il fallait de la valeur la plus basse de la série à la plus élevée, donc j'ai commencé par le 1. Mais c'était... Y'a pas de 1, c'était un... c'est une lettre. Non, le 1 ici, là-haut, sur l'écran ici, là. Ah, de la plus basse, oui, c'est oui. Oui, on le fait à l'envers, t'as raison. Oui. Donc c'est jaune, blanc, bleu, d'accord. Jaune, blanc, bleu, sauf que jaune, blanc, bleu, je le vois pas. Bah non, y'a pas. Jaune, blanc, bleu, non, y'a pas. C'est quoi, je comprends pas. Je ne comprends jaune, pas comment blanc, ça marche. Bleu. Ouais, j'avoue, je suis pas assez... Jaune, blanc, bleu. Bah là, t'as... Je pense pas que ce soit ça. Hein. Jaune, blanc, bleu. À moins que c'est un rapport avec les lettres. Sinon, pourquoi il y aurait de lettres? Alors, attends. Non, je sais pas. S'il y a pas de... Jaune, blanc, bleu... Attends, blanc, si je fais ça, il se passe quoi? Non, c'est pas bon. C'est pas ça. Donc du coup, c'est ça, c'était le premier. Donc, si, ça c'est sûr, c'est le premier. C'est bon. Ok. Attends, si je fais ça... Ok, c'est de la merde. Mais par contre, si je baisse un truc en premier... Ouais, c'est à chier. Donc ça, au moins, ça confirme que c'est bon. C'est celui-là, le premier. F-G-H. Jaune, blanc, bleu. Alors, pourquoi il y aurait une lettre? Pourquoi il y aurait une lettre, genre ABCD? Non, ça, je pense... Je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Mais sinon, je brute force, hein, mais... Est-ce que... Ouais, c'est une possibilité, tu me diras. J'aimerais bien comprendre, quand même. Mais est-ce que, par exemple, une couleur aurait une valeur? Tu vois ce que je veux dire? Il faut additionner ensuite. Oui, c'est possible. Tu vois, par exemple, les quatre premières sont toujours différents. Par exemple, si tu fais jaune, blanc, bleu, ça veut dire que jaune, ça fait 2. 2 plus 4 plus 3. Tu vois, par exemple, imaginons. Et le troisième ferait... Mais non, parce que c'est... Il y a jamais deux couleurs identiques. Donc, elles auront toujours... elles ont toutes la même valeur. Ah.
Non, je vais chercher trop loin. Je sais pas non plus. Hein. Il y a toujours les trois couleurs, il n'y a jamais deux fois la même couleur. Toujours rouge. Non, c'est pas. Non, je dis conneries, il n'y a pas de jaune dans la première. Effectivement, il n'y a pas de jaune. Non, ça fait. Imaginons que. Attends, je creuse ma théorie. Donc 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la troisième ferait. J'ai le deuxième, mec. C'est bon, je l'ai trouvé le deuxième. Attends, je brute force. Mais alors, du coup, le deuxième, c'est celui-là. Pourquoi c'est celui-là? Pourquoi c'est 6. Rouge, bleu, bleu? Pourquoi le 2, c'est rouge, bleu, bleu? Je comprends pas. J'ai dit que le. Attends, le 3, 3, ça fait 6. Le 2, ça fait 1. Ça fait. 1, 2, 3, 4. C'est 4, ça fait 6. 7, 8, 9. Le 2 fait 9. Et le 4, il fait. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7. Ah, ça peut marcher en vrai, non? Je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit, donc vas-y, montre-moi. Est-ce que le 2, c'était... C'est rouge, bleu, bleu. Bon, c'est de la merde, alors. C'est pas du tout ça. Parce que là, c'est le premier, et ensuite, c'est celui-là. Mais pourquoi c'est celui-là? Pourquoi c'est rouge, bleu, bleu? Je comprends pas. Non, c'est pas bon, ça. Merde. Ah, ok, le troisième, c'est celui-là. Ok. Troisième, c'est celui-là. Le troisième, c'est rouge, rouge, blanc. Vous avez pas du tout triché, vous êtes juste des baisers, quoi. Ah ouais, non, là, je... Attends, il y a un truc, lancez le programme PPC. Non, 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 PPC, c'est ça, c'est protocole de prise de contrôle manuel. Putain, j'en ai baissé 5. Faut tous les faire dans l'ordre, là. Non, c'est horrible. Ah ouais, non, ça va être compliqué. Attends, je suis en train de gagner, là. Là. Oh non. Oh, j'avais presque tout bon. Oh, mais attends, mais comment pas, attends. Attends, mais du coup, il y en a pas juste que 4, en fait. Attends, c'est des... rouge, bleu, blanc, jaune, blanc, bleu. Rouge, bleu, blanc, jaune, blanc, bleu. Bleu, rouge, jaune. Blanc, attends. Jaune, rouge. Ok, attends, je crois que j'ai compris. C'est-à-dire que c'est celui qui vaut le plus, je pense. Attends. Attends, je sais pas. Donc ça, c'est celui-là. Ensuite, c'est celui-là. Merde, ensuite... Oh merde, attends. Non, putain, attends. Si je fais ça... C'est si simple. Ah, de fou, hein. De fou, c'est extrêmement simple, là. Comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à prime. Et bien sûr, si vous avez la solution, c'est le prime, hein. On ferme sa gueule et on prime, hein. C'est la seule solution. C'est la seule solution, la team. Si c'est si simple, là, prouvez-le. De cette façon-là. Montrez que vous êtes des génies. Putain, j'avais mieux tout à l'heure, hein. Une catastrophe. Le mec, est-ce que le mec nous observe en train de faire tu. Mais... Vous êtes des génies. Ok, attends. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ouais. Et là... Merde, c'était soit l'un, soit l'autre. T'inquiète, là c'est la bonne, mec. Ah mais oui, mais je te crois. Là, c'est la bonne de fou. C'est la bonne de fou. Voilà, bravo. Tellement simple. On a réussi. C'était tellement facile. On est des génies. Query result. Hack complete. Expulsion repealed. Oh, c'est trop grave à quel point c'est simple. Le A. Résultat, l'expulsion n'est pas nécessaire. Rat de laboratoire. Boum. Tellement simple. C'est pour les bébés, hein, clairement. Tellement simple. C'était quoi la solution, du coup? Ouais, je suis curieux. Je voudrais bien savoir. Solution, chaque symbole et couleur étaient liés à un numéro. Il fallait combiner couleur plus symbole sur chaque panneau. Donc c'était ce que je disais, en fait. J'ai toujours pas compris. Moi j'ai pas compris. Participation, il semblerait que vous soyez bien une irrégularité statistique. Quoi qu'il en soit, je a permis d'ajouter des données bénéfiques à mes archives. Vous avez gagné mon respect conditionnel. Cette boîte de conserve a raison. Pas mal, vous deux. Veuillez désormais quitter le laboratoire. J'ai d'importants calculs à effectuer. Oui. Chaque symbole, une forme et une couleur, avait une valeur. Définie par sa ligne. Fallait faire le total de chaque interrupteur. Oh, ça avait l'air chiant, en tout cas. Sors du personnage, là. Faut sortir le personnage. Dans tous les cas, ça avait l'air chiant. La reine. La reine.
Ouh là là, ah, c'est la fameuse salle des... C'est la salle des rivaux, mec, elle nous en a parlé. Oui. Écoutez, Jeb. Non. Merde. Écoutez, Jeb. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai essayé de gagner autant de temps que possible. La foule commence à s'impatienter. On doit lancer les hostilités. Ça ne ressemble pas à la directrice. Elle n'est jamais en retard. Bah, pour quelque chose d'aussi important. Donnons-lui encore une minute. Allez, je suis prête depuis que ce truc a été annoncé. Allons-y. Je vais aller la chercher. Vous n'avez qu'à commencer sans moi. Ok. Élèves et collègues, le moment est venu de lancer la salle des rivaux. Le match d'aujourd'hui sera présenté par le professeur Slip et moi-même. C'est la plus grosse compétition dans l'histoire de l'école. De retour d'entre les morts, tout comme moi. Ça coupe vachement chez moi. Ah merde. Vous savez... merde, non. Vous savez, je suis contente que ce soit 2-1. Ce sera encore plus satisfaisant quand vous mordrez la poussière. Atteignez la ligne d'arrivée. What's good, Escape Academy? You are here with Slip and Eel. Time to find out which of our top students is an Apex first year. And okay. They're off. Donc là, il y a une baliste. Un engrenage. Ouais, on peut placer les engrenages dessus. J'en ai un. Ah, on est séparés. D'accord. J'ai des engrenages. Ah, mais Non, c'est la connasse à côté. C'est la connasse, ouais. Ah, faut que je place les engrenages. Oh, je suis trop nul pour ça. Attends, et là. Ok, il en manquerait peut-être pas. Il y a pas une. Attends. Là, comment ça se passe si. Et du coup. Si je tourne. Voilà, c'est bon! En fait, je suis le goat, my bad. Elle est trop nulle. Il suffisait de viser. Putain, elle est en même temps que nous. Ouais, elle fait toujours en même temps, je pense, ouais. Donc là, il y a les statues. Quels sont les noms que vous voyez tous? Tous les deux. Quels sont les noms que vous voyez tous les deux? Et du coup, est-ce que on peut regarder à travers? Est-ce que ça change quelque chose? Non. Les noms que vous voyez tous les deux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Attends. Ah, oui, je peux le faire glisser. Je peux faire glisser les statues. Okay. Ah, est-ce qu'on fait un miroir de son truc à elle, peut-être? Je pense pas que ça marche comme ça. En vrai, je pense qu'elle peut rien. Les noms que vous. Non, en fait, je pense que chaque lettre. Enfin, chaque carré correspond à un carré qui est par terre, probablement. Ah non, faut probablement passer les statues sur ces trucs-là. Genre, attends, est-ce que ça marche si je fais ça? Mais il y a des lettres à l'envers. Ah ouais. En fait, faut voir les noms qu'on lit, tout simplement. Bah, Timmy. Timmy, tu le lis? Oui, Timmy, tu le lis, effectivement. Bah, genre, Timmy, je vais le placer. C'est lui, Timmy. Michel. Michel. Il est où, Michel? Michel. Michel. Il y a un Mike. Michel avec LLE au féminin? Non. Michel masculin. Parce que là, j'ai une Michel, mais au féminin. J'ai une Rachel aussi. Rachel, elle est là. Blue pulling head early. Ah non, elle est passée devant. La pétasse. Ah, c'est Michel Dezelle, pardon. Michel Dezelle. Ah, bah alors, oui. Alors, c'était bien ça, alors. D'où? Quoi? Oh non. Comment ça? Ah, elle est passée, la pute. Mais oui, elle est passée. C'est trop chiant. Il y a une... Les noms qu'on voit tous les... Que vous voyez tous les deux. Est-ce que c'est peut-être... On voit pas la même chose tous les deux? Mais non, parce que je veux dire, tous les deux, genre, elle et nous, là. Non, je pense pas que ce soit ça, si, je sais pas, si. Je vois Max aussi. Et Max, mais en fait, je vois plein de prénoms, en fait. Max. Mais Michel, je le vois pas. Attends, est-ce si, que si, tout... Michel, regarde. Ah oui, si, je le vois, je la vois, Michel. Michel, Max et... Timmy. Ah mais faut que ce soit dans le bon ordre. Attends, Timmy... Rachel, tu l'as vu comment, Rachel? Elle est où? Rachel, c'est là, deuxième rangée. Ah ouais. Rachel, Timmy... À moins qu'il faut regarder Wyatt. À l'envers. Genre, la corbe... Non, attends. C'est peut-être les... Ah, attends, non, j'ai compris. Rachel, elle le verrait pas écrit comme ça parce que le C, il est de l'autre côté. Alors que Timmy, elle le verrait complètement, en fait. Mmh. Timmy, c'est la symétrie. Si tu te mets de l'autre côté, du côté à elle, le R de Rachel, il serait à l'envers en fait. Alors que Timmy, c'est des lettres symétriques.
Je sais pas pourquoi, ça coupe moi quand je te parle ou c'est que... Non. En gros, c'est les lettres symétriques qu'il faut. C'est Timmy en premier. Ensuite, en deuxième, c'est Wyatt qu'il faut mettre. Il est où Wyatt? Il est là. Oula. Allô? Ah non, c'est bon. Oui. Wyatt en deuxième. En fait, c'est les lettres symétriques. En fait, c'est ce qu'on voit des deux côtés. Wyatt. Et enfin, ce qu'il faut mettre là, c'est Max. C'est le dernier. Voilà, c'est ça. Moi, je comprends, que je comprenne quand même pourquoi j'ai ces pertes de début. Genre, non, mais c'est moi, non, mais c'est moi qui coupe parfois sur Discord. Ah oui? Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ça. Et j'ai tout essayé, je comprends pas. Mais c'est juste sur Discord. C'est bon! Let's go. This could tip the scales of the whole competition. Un truc de poids? Rouge, bleu, orange, vert, blanc. Ok, il faut trouver les poids des trucs. Donc il va falloir les peser. Très bien. Il faut que ce soit équivalent. Très bien, je comprends. Pas spécialement que ce soit équivalent, faut deviner leur poids du coup. Je ne peux pas utiliser cette balance sans l'allumer. Là j'ai une balance ici. Le bleu est plus grand que le rouge dans tous les cas. Donc alors attends. Okay, on va dire que le rouge. Je vais mettre ça comme ça. Le blanc est beaucoup plus lourd que le rouge. Ok. Le vert est plus lourd que le rouge. Le vert est plus rouge que le rouge. Ok. Je vais changer le rouge maintenant. Attends, non, garde le rouge, j'ai pas mis le orange encore. Ok. Le orange. Oui, beaucoup plus lourd. Ah, ok. Et tu peux mettre le blanc. Le rouge est plus léger. Mets le blanc. Le blanc est plus lourd. Donc attends. Hop, on va mettre ça. Attends. On peut pas faire plus? Ah, ça c'est un problème. Le blanc est plus lourd que le bleu. Attends, le rouge. Attends. C'est bon. Putain, bravo le pif. C'est pas vraiment du pif. Pas de mentir, c'est pas vraiment du pif. 9 kilos, bah du coup, là on le sait. 7 kilos, donc ça fait. Il faut 7 kilos. Orange plus. Mais il faut. Oui, mais sauf qu'il va falloir tous les placer en même temps, je pense. Non, c'est... pas forcément. Je pense qu'il y a des multiplicateurs par contre. Ah ouais, c'est quoi ça? Genre, regarde, 7. Ah ouais. 7 par exemple. T'as raison. Donc par exemple. Ouais, non, c'est pas. 9, ah oui, c'est le x2, x1. Ok, ok. 3, vert, tu le mets en x. Par exemple, là, je mets le vert ici. Voilà. Yes, bien joué ça. Tu vois? Yes, t'as raison. Mais par contre, faut les laisser 14. En même temps. Faut les laisser en même temps. Ouais, 14. Donc 14, on peut prendre le blanc et le bleu. Genre le blanc, je le fous en x2. Ah oui, mais non, le bleu, je pourrais pas le foutre en x2 non plus, quoi. Il faut que ce soit forcément que... Ah oui, non, attends, j'ai de la merde. Ok. 7, ça attends, il faut attends, faire pour en le 14. 7, par attends, exemple, si je suis obligé... 2x2. Ah, c'est vrai, si, non, c'est de la merde. 2x4. 8, 6... Ouais, mais non, ça marcherait pas. Attends. 3x3, 9 plus 5. Ok. Ok, on va mettre le vert. Ah non, le vert, tu l'as déjà mis. Mais tu peux l'enlever au pire, on trouvera un autre moyen. Ok, alors parce que le vert, on peut le mettre là. Ouais. Le vert là, et j'avais dit quoi? Parce que là, on arrive sur du tatata, on arrive un blanc, sur. Non du... Le blanc en x1. Le blanc en x1. Voilà, là, c'est bon. Ça. Et pour le 7. Ah non, qui... regarde, on peut les mettre. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vert dans tous les cas, donc c'est bon. Ah bon, ça va, alors on a pas besoin de s'emmerder. Ouais, pas besoin de s'emmerder, effectivement. Bah, du coup, autant juste reprendre le blanc. Le blanc. Ah oui, mais attends, non, je suis con. Ah si, et le. Attends, le blanc ici et le rouge en x2, là. Le rouge, je l'ai. Voilà. Ah. C'est sûr qu'il faut tous les mettre en même temps, mec. Je pense qu'il faut tous les mettre en même temps. Ouais, c'est ça le piège. En vrai, je pense que. Là-bas, j'avais mis quoi? Tac. Et bon, le blanc, je pense que je vais le laisser là-bas. Hop là. Parce que là c'est bon là. Ouais, je pense que c'est bon là. Ok. Et là du coup c'est pour bien. Le 9 kilos, qu'est-ce qu'on a? On peut faire un 3 fois. Oh non, le vert on l'a déjà utilisé. L'orange c'est quoi? L'orange le c'est 9, 4 kilos. Moi j'ai quoi? J'ai un bleu. Bleu c'est 2 j'ai kilos. Un bleu c'est 2 kilos. 2 kilos. 2x3, 6. On a le blanc, on l'a déjà cramé. Attends, ouais, mais alors le bleu. Attends, le rouge, tu l'as encore le rouge? Le rouge, je l'ai encore, ouais.
Donc on va faire un 2x3 et un rouge 1x1. Vas-y, mets-le. Là, t'as mis 3x3, là. Oui, pardon. Ah non, t'as raison. Le x3, c'est le t'as raison. Vas-y. Ah non, ça fait là du coup, ça ferait 2x3. Oui, c'est ça, ça fait 6. Là, on est sur 6, on a 6. Oui, tout à fait. Il faut que ça arrive à 7. Et du coup, là, je fous le rouge ici. Du coup, là, moi, j'ai le orange sur moi qui vaut 4. Et toi, t'as quoi? J'ai rien. Ah bah alors, c'est forcément x3 ici, alors. C'est le 3x3 qu'on doit mettre ici, alors. Sauf que là, ici, c'est baisé, du coup. Parce que moi, j'ai le orange qui vaut 4. Ah mais attends, non, c'est tout con. Attends. Hop, 4. Je mets le rouge ici. Et le orange là. Yes! Pas bon du tout. Non, c'est pas bon du tout. Et je pense que c'est pas bon parce qu'on n'a pas les bonnes valeurs. Mais si, regarde. Si, c'était bon les bonnes valeurs. Les valeurs sont bonnes. Regarde celui du milieu. Il est pas à l'équilibre. Bah, pourtant, c'est bien. Ah non, putain, c'est le 3, c'est le vert. Oh, au secours. Le 3, c'est le vert, je suis un bouffon. Le 3, c'est le vert. Attends. J'ai pas. Parce qu'en fait, si j'avais placé le x2 ici plus x2 là, sauf que je peux pas. Attends, on peut placer. Attends. La question, c'est. Attends, question, est-ce que je peux ? Non, je peux pas. Je peux pas placer deux poids sur le même truc. Je peux pas placer deux poids sur le même truc. Très chiant. Très, très chiant, cette histoire. Je peux pas faire ça. Il nous faudrait le vert en x3. Ouais, effectivement. Le vert en x3, ça fait 9. Et si on fait ça, il nous reste que le bleu en 2. Non, j'ai bleu et vert. C'est pas possible. Attends, j'ai bleu et. Oh là 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 là, c'est horrible. Attends. Et là, x3, bah non, c'est pas possible. Ah non, il y a un truc qu'on a mal fait. Mais est-ce que t'es sûr à ça? Ça a validé là les valeurs? On est sûr que c'est ça? Ouais, c'est sûr. Attends, je vais tenter d'autre chose. Vas-y. Si je fais. Ah, c'est ici 4, ici 4, ici 5. Donc là, on est à 14. C'est sûr qu'on est à 14 ici. Ici, on est à 9 ici, c'est certain. Là, j'ai. Le bleu c'est 2. Bleu c'est 2. Et c'est bon, attends. OMG. Oui. Ah bon. Ouais. Voilà. Au secours. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Moitié, putain. If it were me out there, Slip, I'd be attacking those puzzles harder. But both red and blue are putting up a decent fight. Réaliser la combinaison avec moins de 10 rotations. Attends, juste comment ça marche? Faute de casse-tête. Réinitialiser les anneaux pour continuer. D'accord, ça va, c'est les anneaux. Ah ok. Attends, réinitialiser. Vas-y, bouge, il faut pas que tu sois sur la plateforme. Okay, attends. Ok. Le vert. Attends. Ok. Le but c'est de faire quoi exactement? Il faut que je fasse quoi? Réaliser. Du coup, faut faire. Ok, non, c'est bon, il y a des boutons, regarde, par exemple, là, il y a des boutons. Donc là, par exemple, il faut que tu m'emmènes un rond ici. Faut que je t'amène un rond ici. Ok. Ouais. En moins de 10 rotations. Ouais, il faut faire tout ça en moins de 10 rotations. Ok. Bon, alors. Attends. Oui, mais il faut que je sois plus opti. Parce qu'en fait, après. Attends. Ouais, bon, vas-y, on va déjà essayer. Attends, là. Oui, mais sauf que la table, elle bouge. Ah, voilà, c'est bon. Là, t'as le rond. Ok, vas-y, là, je rentre. Alors, voyons, là, si je dois faire rond. Trèfle. Donc là, ça peut pas bouger si moi je suis dedans, hein, c'est ça? Ouais, vas-y, appuie sur le rond pour voir. Okay. Ok, ça c'est fait. Ouais. Ensuite, c'est pas trèfle, c'est pique. C'est pique. Et pique. Et call et am. Et our. Et at am. Donc si tu fais rotater le jaune. Il faut que tu bouges de la plateforme. Je crois que tu y es encore. Vas-y, là t'as le pique au fond. J'ai le pique au fond. Ouais, mais attends, mais le nombre opti de rota là, c'est un enfer. Pique au fond, maintenant il nous faut le trèfle. Il est tout là-haut sur le rouge. Oh putain. Oh putain, ouais, c'est. Oh là, c'est FF. Attends, vas-y. On a déjà fait 9 rotations, là, mec. Voilà. Je viens de te le dire. Allez, je crois que c'est loose, hein. Il y a des chances que ce soit loose, là, j'avoue. Ouais. Le triangle, il est où? Je vois même pas où il est, le triangle. Il est tout là-haut. Bon, c'est loose, on va réinitialiser. En fait, il faut vraiment optimiser tout ça, quoi. Ouais. Bon, alors, dans tous les cas, pour avoir le rond
En fait, le rond, il y en a qu'un. En fait, ah oui, il y a qu'un seul symbole. Ouais. Il y en a qu'un de chaque, en fait. Ouais. Il y en a qu'un de. Ah non, il y a. Non, trèfle, il y en a plus. Ah non, c'est un cœur. Donc, dans tous les cas, faut que je bouge le bleu deux fois, c'est certain. Faut que je bouge le bleu deux fois, et pour bouger le bleu deux fois, il va falloir qu'ensuite tu ailles sur le pic. Pour aller au pic, il faudrait que je mélange le bleu avec le jaune. Avec le jaune. Sauf que le jaune, je peux lui faire faire que. Ah ouais, c'est très chiant cette histoire. Parce que si je fais ça. Là, il te faut encore une rotation pour le. Attends. Est-ce que, genre, quand, si tu fais rotater le rouge, là, ça fait rotater. Voilà. Et là. Là, du coup, voilà. Là, tu peux, tu peux enchaîner. Voilà. Oui, tu peux faire le rond, puis le pic, puis le trèfle. Ensuite, pour ce qui est du triangle, le triangle, il est où? Il est sur le bleu. Donc, il faut que je retaille deux fois le bleu et que je t'amène sur le carré ensuite. Le carré. Ah oui, mais le carré, le problème, c'est que dans tous les cas. Okay. Là, le triangle, il est là. Ah, attends. Ensuite, le triangle, le carré, il est où? Ok, attends, je crois que j'ai... Parce que c'est le losange, puis le cœur. Ok, alors attends. Là, va falloir que je bouge. Là, c'est le triangle. Hein. Le triangle là-haut. Donc, on va faire bouger... Ok. On va faire bouger ça. Attends. Là, t'as le triangle. Vas-y, ouais, appuie là, sur le triangle. Ensuite, tu reviens vers moi. Ouais. Là, maintenant. Dans l'autre sens. Là, t'as le carré et le losange. Ouais, le carré. Et je vais t'offrir mon cœur dans quelques instants. Reviens. Bien sûr. Et là. 6, ouais, c'est bon. Et là, ouais, c'est nickel. Et là, t'as le cœur au fond. C'est win. Boum ! Allez. Énorme. Ok, très bien. Oh non, le double face. Okay, ah mais elle est là la connasse, elle est derrière. Ah oui. Et quand prépare-toi à perdre. Alors, en fait, il y a plein de trucs. J'inspecte un peu tout là. Ouais, pareil. Là, voyons, il y a des. C'est quoi, il y a des. Ah mais elle bouge des trucs en même temps. Mais pourquoi je joue contre un PNJ là? Là, il y a un poisson. Des flèches. Des l'acidoréfasol. Ah mais c'est elle qui bouge, c'est toi qui bouge le truc jaune là? Au-dessus? Ouais. C'est moi, mais elle bouge aussi des trucs de l'autre côté. Oui. 2 centimes, 16 centimes. Alors mais putain, c'est quoi la base de départ? Ouais. Il faut partir de quelque chose là. Ouais. C'est pas le moment. Non. Mais bon, merde. Bref, alors attends. Prise. Départ. Et là, il y a une. Il n'y a pas des indices de trucs quelque part? Parce que là. Ouais, par où on commence en vrai? Ouais, c'est ça le truc. Elle est toujours derrière, mais je vois pas ce qu'elle fait. Je comprends pas. Par où on commence? Ça fait quoi ça? 2 centimes, 16 centimes. Qu'est-ce que c'est? Cœur, attends. Cœur. Si je fais départ, c'est en haut, mec. Il y a écrit départ en haut, mec, littéralement. Où ça? Ah oui, tout en haut, au milieu. Ah oui. Il y a écrit ça au milieu. Alors, oui, mais c'est quoi? Oui, mais du coup, je fais quoi? Ah, attends! Je crois attends, que ça. Moi, en fait, chaque case correspond à un truc, mais encore. Et en plus, elle touche. C'est elle qui touche. C'est toi qui touche ça? Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Mais encore. Ouais, mais sauf qu'il faut faire quoi avec ça, en fait? Bah ouais. Attends, si je fais ça et que je te sélectionne. Je te sélectionne ça. Ouais. Après, il y a 9 jeux. Mais oui. Non, mais d'accord, mais ça, d'accord, mais. Attends, si je fais départ d'abord. C'est forcément en rapport avec le nombre de jeux. Faut pas cliquer sur le. Une envie de Prime là, n'hésitez pas. Hein, si vous avez la solution, bien sûr. Attends. Putain, je comprends pas. Je comprends même pas. En fait, on aura un déclic, on l'aura. Je suce. Ça va m'aider à réfléchir. Attends. Est-ce qu'il faut retourner? Alors si on retourne ça et qu'ensuite on va là-dessus. Je pense que c'est la solution. Imagine c'est la solution. Bravo. Félicitations.
Stop overthink. Mais ça, vous me dites ça à chaque fois et je ne comprends pas ce qu'il ne faut pas overthink en fait. Je comprends même pas. Départ. C'est peut-être, ça sert à rien. Peut-être premier degré, c'est juste un truc pour savoir quel jeu on a fait pour noter, tu vois. Mais là où il y a le départ. Là où il y a le départ. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi je peux faire ça? Je comprends pas. Cochon. Qu'est-ce que c'est cette merde? Oh putain, je crois que je l'ai, mec. C'est quoi, vas-y. La couleur des plateaux. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Attends. Ah putain, oui, t'as raison. Ah, let's go, clé de la vitrine. Hop là, easy, easiest game I've ever played. Ensuite, on va aller là, utiliser l'objet, la clé, boum. Faites résonner le signal adoré. Ok, il faut que tu fasses... écoute-moi. Fa, ré, si, doré. Alors, fa, ré, si, do, ré. Oui. Tu t'échapperas quand les cochons voleront. Ok, ok, je vais faire le truc au-dessus. Le cochon. Attends, tu le fais, vas-y, je le fais. Le cochon. La sale bête, là, il vole. Voilà. Ok, haut, okay. Droite. Oui. Haut, gauche. Bas. Ok. Okay. C'est quoi test ça de 1 cent, 5 cents, 5 cents, 10 cents. Ok, il y a un truc à faire en haut à droite là avec ça. Alors attends, ça fait quoi Tu veux que je le fasse 5, je te laisse 10 le faire. Et 5, 10 et 1, ça fait 5, 10 et 1, ça fait 15, 16. Non. Attends. J'ai pas écouté ce que t'as dit. Ah, j'ai 1 cent, 5 cents et 10 cents. Et ouais. Alors attends. Quoi? Je crois qu'elle a fini en face. Oh la pétasse. 10 cents, 10 cents. C'est quoi? Je fais quoi? J'ai 5, 15. Je fais 15. Attends. Ah, attends. Est-ce que je dois mettre? Merde. 10 cents. Ouais. Je fais là. Je fais... 5 en dessous, ouais. 15 en dessous, 5 en fait, faut en que dessous. Ça corresponde à chaque fois. Faut que ce soit OK à chaque donc, fois. Donc tu dois mettre 2. 1 et 1 sur le 2 à chaque fois. 1 et 1. Sur le 2. Ouais, attends, tu fais 1 et 1 en dessous encore. Alors 1. Ouais, et 1 en dessous. Et 1, c'est voilà. Ça. du coup, là, c'est facile. On est sur 10 plus 1, ça fait 11. Faut que tu mettes 5 en haut à droite. 5 en haut à droite. 5. Ouais, c'est bon, j'ai compris. 5 en haut et à droite. Le dernier, et le dernier. Et le dernier, c'est 12. Donc, il y a 5 en haut à droite, 12. Donc, c'est 10. C'est... Bah non, non, ah non, 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 ça marche pas du tout. Non, c'est pas bon. Non, la façon dont on l'a fait, c'est pas bon. La façon dont on l'a fait, c'est pas bon. Attends. Normalement, bon, c'est sûr que le premier, c'est OK. En vrai, pour le suivant, je pense qu'il faudrait que tu inverses les pièces. Que tu mettes la grosse en bas. Ouais. Et la petite en haut. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sauf que ça, c'est un problème toujours. En fait. Ah non, ça sera pas de problème. Non, non. Non, tu... Donc la grosse, c'est... J'ai c'est 10 et 5. Hein. Ouais, donc... Ça va pas faire. C'est pas bon. C'est pas bon, 10, c'est ça. Pas bon. Mais 10... Ouais, mais sauf 5, que tout à l'heure, ça marchera pas. Là, ça marchera pas. Parce que là techniquement, faudrait que t'aies 6. Sauf que t'as pas 6. C'est pas possible d'avoir 6. Ça. Donc là, j'ai 10, 10, 10, 2. Attends, c'est combien, c'est combien? J'ai oublié 10, 2. Non, c'est 1. Ça fait 10, 1. Là, c'est 5. Là, c'est forcément 5. Oui, mais sauf que si tu mets forcément 5 ici, en dessous, la pièce doit valoir 6. Sauf qu'on n'a pas de pièce de 6. Parce que pour que ça fasse 11, faut que ça fasse 5 plus 6. Et 6 plus 6 en bas. Du coup, c'est pas possible. Du coup, le truc qu'il faudrait que tu fasses, je pense... Attends, laisse-moi réfléchir... 1, 10, 1, ça fait 12. Attends, si je fais 1, 10, 1... Oui, mais sauf que... Ouais, vas-y. 1, ouais, 10, vas-y, tu mets 5 1. Au-dessus. Tu mets 5 au milieu au-dessus. 5 au milieu au-dessus. Ouais. Et ensuite, tu mets 10 à droite, en haut à droite. 10 en haut à droite, et c'est gagné. Voilà. Voilà, c'est bon. Les cartes. Okay. Cartes à jouer. Cartes à jouer. Ok. C'est où, les cartes? C'est en bas à gauche. Ah oui, vas-y. Dis-moi ce que tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Alors, carte à jouer, j'ai un 3 de trèfle. 3 de trèfle, attends, j'arrive. Ouais, ensuite. Reine de carreau. Reine de carreau. Ok. 7 de pique. Et okay. Roi de cœur. Roi de cœur. Clé, médaille d'argent. Clé, C-L-E-F. Ok, je vais écrire clé. Lego. Les billes. Les billes, go. Ah oui, mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire avec les billes, là? Il faut les mettre en bas à droite, je pense. En bas à droite? Ah, regarde, t'as un truc de billes. Je vois pas. Là, ici? Oui, non, mais d'accord, mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec? Tu les mets dans la machine. Oui, mais d'accord, mais... Mais... Ah, ok. Ah, ok. Ok. Oh, putain. Non, qu'est-ce que...
Ah non, t'as... Ok. Ah, j'ai pas le temps. Non, non, t'as raison. Et là. Ouais. Voilà. Et là. 1, 2, 3, 4. Oui. Ok. La orange. Et là. C'est bon. Voilà. Ici. Médaille d'or. Ok, il faut mettre les médailles à l'intérieur. Ici. Là. Étonnamment, t'as la médaille de bronze, toi, je crois. Sur toi. Je m'en ai pas fait gaffe. Milieu. Non, je l'ai pas. J'ai pas de médaille de bronze. On l'a pas ramassée, peut-être. On l'a pas ramassée, probablement. Elle est peut-être là. Non, c'est vide. Ah non, elle est là. Je l'ai, pardon. J'avais pas vu qu'elle était là. Oh, let's go! Oh, le match est terminé! Oh, la bouffe! Oh, la nulle! Elle lui fait juste après nous! Oh, la merde! La merde! Gillian, la merde! Qu'est-ce qu'elle est nulle à chier? J'ai perdu! Comment est-ce possible? Le nom Paisley sera-t-il à jamais synonyme d'échec? Quoi? Quelle performance! Vous avez écrasé la concu! C'est exactement ce qu'il fallait faire! Bon, je vais faire ça avec la directrice, mais elle n'est toujours pas arrivée. Je suis tout de même fier de vous décerner le titre de virtuose de première année. Hé, tout le monde, j'ai une terrible nouvelle! Je cherchais la directrice dans son bureau et j'ai trouvé une lettre! Elle a démissionné! Fred, c'est à toi. L'école ne peut pas fonctionner sans sa directrice. Ah oui, c'est la train. Qu'est-ce que ça implique pour les élèves? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Attendez, il y a autre chose dans la lettre. La directrice a laissé des instructions. Il semblerait qu'elle ait choisi un successeur pour s'occuper de l'école et c'est... C'est il! Moi? Je viens à peine de revenir. Je veux dire, c'est un honneur, mais je suis bien évidemment plus que qualifié pour ce poste, mais... Eh bien, Sandy a toujours eu de bonnes raisons pour faire ce qu'elle fait. Ça marche. Ok, il l'a 100% enlevé, enfermé quelque part pour prendre sa place. Voilà. Ça marche, j'accepte pour le bien de l'Escape Academy. Je ferai honneur à la directrice. Je vous ferai tous honneur. Un peu sauce quand même ce heal. Ouais, évidemment, ça va devenir notre allié, bien sûr. Ah bah oui. A plus. La doyenne est pas... Merde. C'est l'habitude, hein, c'est vrai. T'es un clicos, toi, hein. Toi, t'es un peu un clicos, ouais, j'ai l'impression. Je clicos, hein. Toi, t'es un clicos, toi. Je clique vite. On aurait dû le laisser crever en prison, lui, c'est clair. Sale chien, va. Badge de virtuose. Désolé que c'est fini comme ça. Vous avez quand même mérité ça. Tralala. Bah, let's go, il manque 3 games. Y a moyen d'arrêter maintenant, parce que j'ai un truc à faire juste après. Bien sûr, y a aucun problème. On peut se finir ça vite fait? Bah, carrément. Dans la semaine. Quand attends, on finit le dialogue quand même, juste avant. Vas-y. Hey, je suis bien content de tomber sur vous. J'ai beaucoup réfléchi depuis que je suis en charge de cet endroit. De nombreuses choses doivent être... modifiées. Le vieux programme était obsolète. Il produisait des bons élèves, mais pas de grands élèves. La directrice Solange a oublié ce que c'était que l'évasion dans le monde réel. Elle était prête à vous coacher, à vous encourager jusqu'à la ligne d'arrivée. On n'a pas ce luxe dans une mission réelle. Littéralement Dolores Sombrage. Oui, c'est ça. Je ne dirigerai pas les choses en prenant la sympathie en compte. Ce n'est pas mon style. Mais ne vous en faites pas. Vous n'avez jamais eu besoin qu'on vous couve. Bizarre ce rire à la fin, j'ai trouvé en vrai. Bah très cool, merci. Franchement, il est bien le jeu. Merci pour la guerre. Il est super bien. Il est bien mieux que l'autre. Moi, je trouve bien dosé et tout. Franchement, ouais, il est grave cool. Attends, on est d'accord que ça save auto, non? Je sais pas. Ouais, je pense. J'ai fait échappe et y a rien pour ça. Bah, il y avait tout le temps des trucs de pause. Non, je pense que oui. Ah, maintenant, on a le rat dans la chambre, j'ai vu. Ouais. En fait, on a le petit rat à droite. En fait, plus on avance, plus on a des objets en rapport avec ce qu'on a eu. Ouais, le rat dans la chambre. Là, c'est nous, qu'est-ce qu'on est beau, putain, c'est trop grave. Ouais, texture de fou, là. Ouais, j'avoue, ils sont dégueulasses. Ben, okay. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Le truc que j'ai à faire impliquant de chier urgemment, donc... Ah, c'était ça. Oui. J'ai vraiment un truc à faire très important. J'étais en mode, putain, il fait des trucs à minuit, là, comme ça. Chier, littéralement chier. Bah, voilà. Eh bah, bonne chiasse, mec, vas-y. Merci salut, beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Bisous, ciao, salut. Bon, le jeu, il était trop bien. Bon, c'était une soirée du lundi très différente des autres, bien sûr. Mais tout aussi plaisante, of course.